Maï Paiement lance aujourd'hui ses toutes nouvelles fragrances eau fraîche aux éclusiers par Apollo. 7 jours est sur place et on veut savoir ce que ces parfums inspirent tant chez Maï que chez les artistes invités. Tu lances deux nouvelles eaux fraîches, sublimes et pétillantes. Si tu avais 3 mots pour décrire chacune de tes eaux, ce serait quoi? Moderne, sophistiquée et joyeuse. Quelles ont été tes sources d'inspiration pour les créer? Bien, d'abord l'été. Et en plus qu'on a eu un été complètement magique. Mais il y a ma fille également qui m'a inspirée aussi. Moi, j'adore les agrumes. J'adore le côté fruité. J'aime bien les fleurs aussi. Donc, ce sont des parfums avec un côté floral, mais surtout un côté fruité qui reste. Donc, eau fraîche sublime, qui est un peu plus sur le melon. Et eau fraîche pétillante, la mandarine, probablement, que tu aimes beaucoup. Oui, j'adore. Ça, c'est mon coup de cœur. Parce que l'odorat est très, très, très relié aux émotions. Oui. Moi, je voudrais savoir, quelle est la première image qui te soit venue en tête quand tu as senti le jus final? Oh, mon Dieu! Écoute, bien, d'abord, je me suis vue, c'est drôle, parce que je suis en recherche et développement, mais je me suis vue en vacances. Donc, il y a ça qui est revenu. Et il y a quelque chose de très, très romantique, je trouve, aussi, dans les parfums. Probablement grâce aux fleurs. Tu disais que ta petite fille avait été une source d'inspiration. Quelle est sa touche dans les parfums? Ah, bien, écoute, c'est sûr que je trouve que le côté pétillant de ma fille, ce sont ses yeux. Vraiment, vraiment très pétillant. Et puis, ben, la petite mandarine, puis la rose, voilà, parce que ma fille, c'est une petite fille, évidemment, qui s'épanouit. Donc, comme la rose, et il y en a un petit peu dans le parfum. Sublime! Ouais. Je le trouve sublime. Pétillante? Je le trouve pétillant. Je trouve qu'il sent bon, mais j'ai de la misère. Tu sais, je sais pas, c'est comme les vins. Tu sais, tu bois un vin, puis quelqu'un dit c'est une tabarouette de bouteille. Ah, OK, bah, ben, tabarouette, je l'aime. Mais en même temps, je bois un vin à 12$ que je peux adorer aussi. Fait qu'un peu la même chose des parfums. J'ai de la misère à trouver les subtilités, les nuances, tout ça, mais je trouve qu'ils sont. Ils sentent très bon. Sublime? Oh! Ah, oh, je pense que we have a winner here. Le coup de cœur, ça évoque toi, pour toi? Ça évoque une ça évoque ma chum May. C'est-à-dire, en même temps, une vigueur, une générosité. Tu sais, May, c'est comme une petite bulle de champagne. Elle est frétillante, elle est fraîche. Tu sais, elle est authentique. Ça me fait penser beaucoup à ma chum. Et moi, tu sais que je porte son parfum May, donc le premier, depuis, mon Dieu, 2 ans, tous les jours. Puis j'ai, à un moment donné, tu sais, on en essaie d'autres. Puis mon mari me dit, non, reviens, May. Je t'ai connue avec celui-là, puis c'est celui-là qui va rester. Peut-être qu'il va accepter Pétillante, on ne sait pas. Votre coup de cœur? Pétillante. Ouais. C'est drôle, moi, tantôt, j'ai dit, si j'aimais Pétillante. Et là, je viens de changer à Sublime. Non, mais ça va pas bien. J'ai choisi Pétillante. Il va falloir qu'elle me donne aussi la Sublime. Je pense que ça dépend des heures. Faut pas laisser une carte de crédit à une femme. Faut pas laisser non plus des parfums parce que ça veut tout. C'est ça, la mais les deux odeurs sont super fraîches et très différentes. J'ai un préféré. C'est lequel? C'est Sublime. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Il est doux, mais il est à la fois racé. Il y a quelque chose de profond que je trouve sexy puis qui me plaît vraiment beaucoup. Quelle relation t'as avec le parfum au quotidien? Bien, la vérité, c'est que je suis très fidèle à un parfum que j'ai depuis des années. C'est pas un parfum de Maï, elle sait, elle maïe pas pour autant. Mais on est. Pour moi, les odeurs, c'est, ça fait partie de toute notre vie émotive aussi. Alors, j'ai un parfum depuis plusieurs années, mais je me permets des petites infidélités une fois de temps en temps avec les parfums de Maï. Son premier, notamment, que j'aime énormément. Et puis là, ben, je vais avoir un petit pss de Sublime de temps en temps.